Salut tout le monde, Céline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 98, je crois, de mon défi des 100 jours, saison 10. Il se passe vraiment des choses de dingue. Regardez, je tourne là en ce moment en studio fond vert pour faire quelques petites expérimentations, donc il n'y a personne aujourd'hui. Et c'était pour vous dire justement un message de gratitude, un message de ce que j'éprouve en ce moment pour ce qui se passe. Là, je suis en train d'enregistrer avec un petit micro-cravate. Je crois que maintenant, au niveau de l'espace, ça va être super pour tourner ce genre de vidéo du défi des 100 jours sur les vidéos que j'ai prévu de faire en développement personnel les prochaines fois. Et voilà, je voulais juste vous dire qu'il s'est passé des choses assez dingues en ce moment. Le bilan approche de ma saison 10, ça va être extraordinaire parce que j'ai tellement fait de belles choses en 100 jours. Je vais vous les repartager, je pense, dans ce bilan très prochainement. Et je vais vous repartager toutes ces vidéos que j'ai faites en vlog, que j'ai faites sur Facebook, sur les réseaux sociaux, que j'ai faites également pour le défi des 100 jours, pour vous montrer vraiment que cette saison était extraordinaire, qu'elle a été enrichissante. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore plus de choses qui arrivent pour cette saison 11. Et j'ai vraiment envie de faire des choses encore plus ouf. Je suis en train de voir que ce qui m'épanouit le plus vraiment, c'est d'inspirer les gens. Hier soir, j'étais avec une amie et on parlait justement de développement personnel et j'ai trouvé qu'elle avait un certain intérêt maintenant pour ce que je lui ai enseigné, ce que je lui ai donné comme technique à faire et surtout le film Le Secret que je lui ai donné à regarder. Et le fait qu'après, elle m'envoie un petit message pour me dire merci de voilà, ça m'a fait plaisir, j'étais vraiment trop trop heureux. Et j'essaye d'apporter à ma manière un petit peu cette inspiration des gens. Pour vous dire par exemple que ces vidéos fonctionnent bien même si elles ne sont pas vues par des milliers de personnes. On était à une conférence avec mon ami Karim, donc qui est coach en développement personnel. On a fait une conférence samedi, on est allé à une conférence. Et à la sortie de cette conférence, il y avait deux jeunes, un couple de jeunes qui est venu me voir comme ça, qui me disent un petit peu tout timide, vous faites des vidéos ? Oui. Ouais, on les a vus, on en voit pas mal, c'est super ce que vous faites et tout. Donc c'est tellement magique ce qui se passe. Et je les ai remerciés, j'aurais dit merci. Et venez au bureau que je vous donne des astuces, des techniques, qu'on échange ensemble, qu'on fasse un petit cerveau collectif, que vous m'appreniez ce que vous connaissez, que je vous apprends ce que moi je connais. C'est ça qui est le plus beau, je crois, le partage, l'échange de connaissances et surtout le fait d'inspirer des gens, de dire c'est possible, vous pouvez le faire, pourquoi moi je l'ai fait, pourquoi vous ne le ferez pas. Voilà, c'était ce petit mot vraiment que je voulais vraiment vous partager, vous dire merci encore à tous et toutes de me suivre et c'est extraordinaire. Voilà, j'ai penché la caméra cette fois-ci pour changer un petit peu d'angle. Vous voyez, c'est tellement beau là, d'avoir tout cet espace, tout cet immense espace et de pouvoir travailler vraiment avec des personnes qui sont dans cette synergie, dans cette envie d'évoluer eux aussi et de faire évoluer les gens autour d'eux. Donc merci également aux 400. Et puis voilà les amis, donc on se retrouve dans deux petits jours, ça va être le bilan. Donc je vous fais d'énormes bisous, je pense à vous. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à la prochaine. Bye!